Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce soir de la Mecque où il s'était rendu dans le cadre d'une visite officielle en Arabie Saoudite. C'est aux environs de 19h que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vous entendrez le chef de l'État en tout début de journal. La première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire, a ouvert ce matin l'atelier bilan du plan national d'action 2012-2014. Et puis, dans ce journal, nous nous rendrons sur le troisième pont du district d'Abidjan, le pont Henri Conombédier, qui sera inauguré mardi prochain. D'où est parti le projet jusqu'à sa réalisation effective? Vous aurez l'historique dans une quinzaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite officielle de 4 jours. En Arabie Saoudite, le chef de l'État est arrivé à Abidjan ce soir, donc aux environs de 19h. Le président descendant de l'avion est accueilli, comme vous le voyez, par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Avant l'Arabie Saoudite, le président Alassane Ouattara était en France, où il a honoré plusieurs rencontres, notamment avec François Hollande, le président français. Le chef de l'État s'est rendu également au Sénégal, où il a pris part au 15e sommet de la francophonie. Je vous propose de suivre maintenant la déclaration du chef de l'État. Il a fait le point de ses visites. Je rentre du Royaume d'Arabie Saoudite où j'ai effectué une visite officielle à l'invitation de Sa Majesté le Roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux mosquées, des deux saintes mosquées. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au palais royal de Riyad par le prince héritier, son Altesse royale, le prince Slimane Ben Abdel Aziz Al Saoud. Nous avons évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais d'ailleurs rappeler que les relations diplomatiques entre nos deux pays ont été établies en 1993, alors que j'étais Premier ministre du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Notre volonté avec les autorités saoudiennes est de redynamiser et de diversifier ces relations. Cela doit se matérialiser prochainement par la signature de plusieurs accords de coopération avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Diby Kofi, qui faisait partie de la délégation. Également, une rencontre avec le secteur privé saoudien, et j'ai été heureux de constater que les hommes d'affaires saoudiens sont désireux d'investir dans notre pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agro-industrie, des hydrocarbures, de l'électricité ou encore du tourisme. Ils sont impatients de venir en Côte d'Ivoire et d'ailleurs une délégation d'hommes d'affaires saoudiens est attendue à Abidjan dans les prochains mois et elle sera conduite certainement par le ministre saoudien du Commerce. Je me suis également rendu à Djeddah où j'ai eu des entretiens avec le président de la Banque islamique de développement, le président Mohamed Ali, sur les possibilités de financement de projets sociaux et d'infrastructures dans notre pays. Nous avons, à cette occasion, signé le crédit de 15 millions de dollars pour le lycée professionnel de Bouna. Enfin, je me suis rendu à La Mecque et puis à Médine pour visiter les lieux saints de l'islam. À La Mecque, j'ai eu l'honneur d'être reçu par l'imam principal, président des deux saintes mosquées. Au terme de ma visite officielle, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté le Roi Abdallah pour son hospitalité et pour l'accueil très, très, très chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Avant l'Arabie Saoudite, j'ai séjourné successivement à Dakar et à Paris. À Dakar, j'ai pris part au sommet de la francophonie qui a vu la désignation de Mme Michaëlle Jean, donc en qualité de secrétaire générale
de la francophonie pour succéder au président Abdou Diouf. Comme vous le savez, Madame Michaëlle Jean est certes canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada, mais elle est haïtienne d'origine. Donc, pour beaucoup de chefs d'État africains, nous avons désigné une Africaine de la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler l'hommage que j'ai rendu au président Abdou Diouf pour son œuvre importante et remarquable à la tête de la francophonie. Il a donc su amener la francophonie à un niveau particulièrement respecté, et surtout dans le domaine politique, dans le domaine de la démocratie et dans le domaine des droits de l'homme. Le président Abdou Diouf est un grand homme d'État et je lui ai demandé de venir nous voir en Côte d'Ivoire avant donc de quitter Paris pour sa retraite au Sénégal. À Paris, j'ai rencontré le président François Hollande et j'ai pris part au forum Aspen, Europe-Afrique, sur le thème « Nouvelles connexions, nouveaux partenariats ». À l'occasion de la rencontre du forum d'Aspen, nous avons évoqué les relations entre l'Afrique et l'Europe dans le cadre du renforcement de ces relations. Nous avons d'ailleurs invité l'Institut Aspen à tenir son prochain forum en Côte d'Ivoire en septembre 2015 et cette invitation a été acceptée par des responsables de l'Institut. Comme vous savez, l'Institut Aspen est un think tank qui a beaucoup d'influence en France comme en Europe et donc également comme membre beaucoup de responsables politiques, économiques et financiers en Europe, d'ailleurs comme aux États-Unis et ailleurs. Alors, avec le président Hollande, il a été question de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la signature de la deuxième tranche du contrat des endettements et de développement entre nos deux pays, et cela a eu lieu la veille au Quai d'Orsay par le Premier ministre Daniel Duncan et l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Et c'est un élément important de cette visite. Le Premier ministre a dû faire un aller-retour, et puisqu'il est en même temps ministre de l'économie, des finances et du budget. Et cette signature a porté sur un montant donc de désendettement et d'utilisation de ressources de 738 milliards de francs CFA. Et cela touche les secteurs prioritaires que nous avons arrêtés nous-mêmes il y a quelques semaines au niveau du gouvernement. Et ces secteurs concernent l'éducation, la santé, le développement urbain et les infrastructures de transport. Nous avons bien évidemment évoqué les sujets relatifs à la maladie de la virus Ebola et à la situation au Burkina. S'agissant du Burkina, le président Hollande et moi-même avons une totale convergence de points de vue. Nous avons considéré, nous, que ce pays proche, ce pays frère et ami, doit connaître très rapidement la stabilité, la sécurité et la paix. Et j'ai d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, nous aurons un sommet des chefs d'État de la CEDEAO les 14 et 15 décembre prochains à Abuja, et ce sera l'occasion de faire le point de l'évolution de la situation au Burkina et d'encourager les nouvelles autorités à mettre l'accent sur la préparation des élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de 12 mois depuis la mise en place de la transition. Et cet objectif est important parce que le Burkina a besoin d'aide extérieure et nous craignons que si les choses ne se faisaient pas dans un calendrier rapproché, certains bailleurs pourraient être amenés à suspendre leur aide au Burkina, ce qui compliquerait la tâche des responsables de la transition. Donc nous voulons apporter notre soutien aux nouvelles autorités et leur demander de continuer de se consacrer à la préparation des élections. C'est la chose essentielle sur les 9 ou 12 mois à venir. Voilà, comme vous pouvez le constater, le voyage a été long, pratiquement 2 semaines, le programme très chargé, et je suis particulièrement heureux d'être de retour à Abidjan. D'ailleurs, la pluie nous a accueillis, donc quel bonheur. Et nous avons noué des contacts bénéfiques.
pour le pays. Et je pense que nous démontrons à chaque occasion que la Côte d'Ivoire vraiment en vitesse de croisière quant à son efficacité, à sa modernité, et moi j'en suis très fier. Et en Arabie Saoudite, d'où il vient, le président de la République a été reçu par le cheikh Abdrahman Soudaïs, l'imam de la mosquée sacrée de la Mecque. Avant cette audience, le chef de l'État s'est rendu à la Sainte Mosquée pour la prière de 18h30, la prière de Maghrib, donc Awa Touré, notre envoyé spécial. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque, directeur général des affaires des deux Saintes Mosquées, Dr Abdul Rahman Ben Abdelaziz Al Soudaïs, a au cours de cette rencontre présenté les travaux de rénovation de l'enceinte de la Sainte Mosquée de la Mecque en vue d'améliorer les conditions dans lesquelles les fidèles effectuent le Hajj. Il a remercié le chef de l'État pour avoir accepté de réduire le quota de pèlerins ivoiriens en attendant l'achèvement des travaux. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque a prié pour le président de la République Alassane Ouattara, lui a fait des bénédictions afin qu'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, l'assiste au quotidien dans sa tâche de gestionnaire du pouvoir d'État. L'imam Abdul Rahman Ben Abdelaziz Al Soudaïs a également prié pour la santé du président de la République Alassane Ouattara et demandé à ses collaborateurs de s'unir afin de l'aider à mieux assumer les responsabilités qui sont les siennes. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque a par ailleurs indiqué que le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, s'emploie à combattre le terrorisme dans le monde et défendre ainsi l'image de l'islam. C'est le rôle de l'Arabie Saoudite d'unir la Oumma et la communauté musulmane à travers le monde entier et de combattre le terrorisme et la barbarie que l'islam combat chaque jour. Et bien finalement, il est très fier, il vous remercie et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'unité, la paix et la fraternité, la stabilité à travers le monde entier. Et nous tenions à venir ici pour prier pour la paix dans le monde, prier pour le bonheur de tous, et notamment de tous les musulmans, et de faire en sorte que notre pays continue de connaître la paix. Et nous sommes particulièrement sensibles au fait que nous avons pu prier sous la direction du grand imam, et nous le remercions pour ses prières et ses bénédictions. Le chef de l'État a félicité le directeur général des affaires des deux saintes mosquées, imam principal de la mosquée de la Mecque, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour améliorer les conditions d'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage. Ici, à Abidjan, vous le savez, la première dame, Dominique Ouattara, est par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Elle a ouvert ce matin l'atelier bilan du plan national d'action 2012-2014. Pendant deux jours, les acteurs de la lutte contre le travail des enfants vont plancher sur le fonctionnement et l'organisation de la lutte menée au cours des trois années d'activité du comité. Compte rendu, Viviane Haïm. Au terme de l'année 2014, l'heure est au bilan pour le plan d'action national pour la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, élaboré par le gouvernement pour la période 2012-2014. Les objectifs fixés par le gouvernement pour ce plan national ont-ils été atteints au terme des trois années d'exercice? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Quelles vont être les priorités du prochain plan d'action et quelles seront les ressources qui vont permettre sa mise en œuvre? Autant d'interrogations sur lesquelles va plancher l'atelier bilan qui réunit depuis ce jeudi matin tous les acteurs concernés par la lutte, à savoir les structures mises en place par le gouvernement que sont le comité interministériel, le comité national de surveillance, mais également les organisations du système des Nations Unies, dont le BIT, le Bureau international du travail, les ONG nationales et internationales, les producteurs de cacao et les industriels du chocolat.
Il est incontestable que l'adoption d'un plan national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et surtout l'engagement personnel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans cette lutte, en acceptant de prendre les rênes du Comité national de surveillance des actions de lutte, ont grandement contribué à donner une large visibilité au niveau international aux efforts de la Côte d'Ivoire pour éradiquer ce fléau sur son sol. Tous les acteurs de la lutte ont unanimement salué l'implication de la Première Dame au cours des 3 années d'exercice du Plan national d'action. Madame la Première Dame, soyez remerciée et félicitée pour votre engagement personnel et l'attention particulière que vous accordez à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Votre présence ce matin à cet atelier permet d'augurer le lendemain meilleur pour la lutte contre le travail des enfants et pour le bonheur de nos enfants. Madame la Première Dame, en 2011, alors que notre pays était menacé de sanctions économiques par les États-Unis d'Amérique et l'Occident, du fait du travail des enfants, Monsieur le Président de la République avait juste en vous confiant la présidence du CNS. Dès la mise en place de ce comité, vous n'avez ménagé ni de votre temps, ni de vos moyens pour porter haut le flambeau de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre soutien au gouvernement ont permis de lever les menaces de sanctions qui pesaient sur le cacao ivoirien et de faire, en 3 ans, de considérables progrès dans la perspective de l'éradication des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte, la Première Dame de Côte d'Ivoire, tout en invitant les experts à plancher sur le bilan du plan d'action en cours qui arrive à son terme, a dit sa disponibilité à accepter les mesures correctives qui seront apportées pour l'élaboration du prochain plan d'action. Le 28 mars 2012, lorsque nous adoptions le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, la gravité de la situation nous interpellait de manière pressante et nous rappelait la nécessité d'opposer une réponse urgente à l'avancée du phénomène. Aujourd'hui, l'échéance de 3 ans que nous nous sommes fixés est atteinte et il nous revient de faire un bilan afin d'évaluer le taux de réalisation du plan d'action national, de mesurer son impact et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. L'enjeu de cet atelier revêt donc une importance particulière. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier bilan du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Lutte contre le travail des enfants, le germe est en train de donner du fruit. Un collectif des artistes contre le travail des enfants est né pour relayer la sensibilisation. Enfin, un troisième pont dans le district d'Abidjan, le pont Henri Konan-Bédié, sera inauguré le mardi 16 décembre prochain. C'est dans moins d'une semaine. Ce pont est là aujourd'hui, prêt à être inauguré et pourtant il est le fruit de 18 années de tractation. Le projet a été initié par l'ancien président de la République, Henri Konan-Bédié, en 1996, mais il a connu diverses fortunes. En fin de compte, le pont est bien là. Il est le résultat d'une volonté illustrée par les autorités ivoirienne. Historique du pont HKB avec Sylvie Touré. Sortir un troisième pont des eaux de la lagune Ébrié n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire démarre en 1996 sous le magistère Henri Konan-Bédié, fraîchement élu à la tête du pays après 2 années d'intérim suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan-Bédié veut assurer à la Côte d'Ivoire un rayonnement bien au-delà de la sous-région. Un projet voit le jour, il est dénommé « Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique ». Le troisième pont y figurait en bonne place, sous l'appellation de pont Riviera Marcory. Lorsque le président Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, il y avait le défi de la dévaluation. La dévaluation a été faite, a été gérée, et les mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement
c'est le partenariat secteur public, secteur privé et surtout le financement d'infrastructures par le secteur privé. Et le pont, évidemment, fait partie des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Juillet 1996, un appel d'offres international est lancé. Novembre 1997, signature de la convention de concession. Novembre 1999, bouclage financier du projet. Jusque-là, les choses se passent comme prévu. Impossible d'imaginer que tout s'écroulerait les semaines suivantes. Décembre 1999, un coup d'État renverse le régime Bédier. L'armée s'empare du pouvoir. Quand il y a eu les événements de 1999, les travaux n'ont pas pu démarrer. Dès lors que vous êtes dans une situation politique difficile, les investisseurs se sont retirés. Les bailleurs de fonds se désengagent. L'argent n'aime pas le bruit, encore moins celui des bottes et des canons. Le pont est à l'eau. 8 ans plus tard, nous sommes en 2008. Nouvelle tentative, nouvel échec. Le projet du pont Henri Colombédier est un projet complexe. Vous savez que c'est un ouvrage qui est concédé. Donc ça met en œuvre beaucoup de négociations juridiques, financières. Et quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, bien que le projet avait connu un bouclage financier déjà dans les années 99, après la crise, certains partenaires sont sortis du projet. Donc il a fallu recommencer toutes les négociations. C'est ce qui n'a pas permis en 2008 de continuer le projet. 2011, le projet est dépoussiéré, mis au goût du jour et remis sur la table des bailleurs de fonds. Le président Alassane Ouattara a la main heureuse. Cette fois est la bonne. Les bailleurs de fonds se mobilisent pour donner vie au projet. Septembre 2011, les travaux démarrent pour ne plus s'arrêter. Juin 2014, le dernier caisson est posé. Il assure la jonction définitive des communes de Cocody et de Marcory via la lagune Ébrier. Le troisième pont est né d'un long et difficile accouchement qui aura duré 18 ans. Le pont Henri Colombédier sera donc bientôt inauguré. C'est prévu pour le 16 décembre prochain. Ce nouveau moyen plus sûr et plus rapide de traverser de la lagune Ébrier va-t-il changer les habitudes des clients d'Épinasse qui assurent les liaisons Riviera-Marcory et Riviera-Kumasi? Quel est l'état d'esprit des propriétaires d'Épinasse face à ce concurrent géant qu'est le pont HKB? Élément de réponse maintenant avec Michel Digré. Plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Une pinasse reliant la commune de Marcory à celle de Cocody en panne en pleine lagune Ébrier. La peur peut se lire sur des visages. Après plusieurs tentatives, le moteur est rallumé. Arrivé à destination, c'est le soulagement pour les passagers dont certains ont le regard déjà tourné vers le pont Henri Colombédier pour une traversée beaucoup plus sereine de la lagune. Je ne passe même plus ici là, même. Moi, je sais que j'habite là, là. Mais je ne passe plus ici. Troisième pont. Rapide et puis c'est en sécurité en plus. Du côté de la gare de Kumasi, chaude discussion entre usagers et pinassiers. On fait l'effort, on se débat, on vient à l'heure précis. Et eux, l'heure est arrivée, eux. Ils sont là, ils prennent les temps, ils s'en foutent, ils ne tiennent même pas compte des programmes des gens, des situations des gens. Ils prennent les temps et puis on est là, on les attend parce que c'est eux, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas autre moyen pour se déplacer, parce que ça nous coûte cher de faire le grand tour, faire près d'une heure du temps, ou même une heure trente pour arriver de l'autre côté de la route. Attends impatiemment le nouveau pont. Très, très, très impatiemment. Je suis pressé même pour faire ça en 15 minutes. En 15 minutes, je suis chez moi tranquillement. Peu importe le prix, je suis chez moi tranquillement en sécurité. Mais là, je prends la pinasse. Pendant les 5 à 10 minutes, je suis dans l'angoisse. Les pinassiers, eux, sont confiants quant à la survie de leurs activités après l'ouverture du troisième pont. Chacun a son choix. Depuis nous étions là, ça fait des années, ils n'étaient pas en sécurité. Mais je crois quand même qu'il passait par la pinasse. Donc chaque personne a son avis en fonction de ce que nous faisions. Oui. Ça va faire baisser le chiffre d'affaires, mais on va faire avec. Des pinassiers confortés dans leur position par d'autres usagers. S'il n'y a pas de bateau-bus qui peut raccourcir notre chemin,
d'ici à l'autre quartier, on va toujours emprunter la pinasse parce que ça nous arrange. Or, sur le pont, il paraît que le pont est payant. On ne sait pas combien on va payer. Si déjà ici, je paye 400 francs par jour, je ne sais pas si sur le pont, je vais payer 1000 francs par jour. Donc, je préfère emprunter la pinasse toujours. Emprunter en toute sécurité le pont Henri Conan-Bédier ou continuer sur les pinasses avec tous les dangers encourus. La résolution de cette équation dépendra pour une bonne part d'une inconnue, le coût du péage qui sera fixé ce jeudi en Conseil des ministres. Pour la première fois, le budget de fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire passe la barre des 5 000 milliards. Ce budget proposé par le gouvernement est passé en première instance à l'Assemblée nationale. Quelle est la structure de ce budget? Quelles sont les priorités du gouvernement et quelle est la technique de recherche des fonds à mobiliser? Les réponses maintenant dans cet élément proposé par le service économie de la rédaction. Il est commenté pour vous par Adama Koné. Les activités de l'État de Côte d'Ivoire se chiffrent à 5 014,3 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Activités consignées dans un document dénommé « Budget ». Le budget, c'est la prévision de l'ensemble des recettes qui financent l'ensemble des charges de l'État pour une année donnée. Et comme ces actions concourent à la marche du pays pour le bien-être de la population, il revient à cette population de donner son accord à travers l'Assemblée nationale pour l'exécution du budget. Exercice réussi par le ministre en charge du budget devant la Commission des affaires économiques et financières. C'est la première fois que nous dépassons 5 000 milliards de budget en Côte d'Ivoire. Et le budget, on a longuement discuté, mais il est de qualité. C'est que le budget a trois dimensions principales qui lui confèrent le caractère de document de synthèse de la volonté générale. Une dimension politique, c'est la traduction chiffrée de la politique économique et financière du gouvernement. Le budget a également une dimension économique. À travers les ressources qui sont injectées dans l'économie pour financer les dépenses du programme économique du gouvernement, l'activité économique est fortement impactée. Le budget a une dimension sociale très importante, puisque c'est à travers le budget que l'État finance toutes les actions de développement, toutes les actions de lutte contre la pauvreté, toutes les actions d'amélioration des conditions de vie des populations. Le budget, c'est d'abord les chapitres de réalisation, c'est-à-dire les dépenses. En la matière, l'État donne la priorité aux dépenses d'investissement. Quasiment le tiers du budget est consacré à l'investissement. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que pour créer de la croissance, il faut investir. C'est un cycle. La deuxième, c'est que nous avons besoin d'investissements compte tenu des 10 années de crise que le pays a connues. Il était important de faire des investissements. Ensuite, ces dépenses doivent être financées par des ressources. La Côte d'Ivoire compte sur sa capacité à mobiliser les fonds en interne. En ce qui concerne ce budget de 5 014,3 milliards de francs CFA pour l'année 2015, il est constitué pour 80,3% de ressources intérieures et 19,7% de ressources extérieures. Donc, comme vous pouvez bien le voir, notre économie est financée essentiellement par les ressources propres. Toutefois, nous insistons sur le fait que l'ensemble des améliorations qui doivent être faites pour le recouvrement des recettes fiscales qui contribuent justement au financement de ce budget-là, se fasse sans augmentation de taxes. Et ça, c'est quand même assez important. La douane et les impôts sont fortement sollicités. Pour 2015, nous aurons à mobiliser 1 700 milliards à peu près. Donc, on va décliner ça par service. Il y a les grandes entreprises qui gèrent les plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire, qui va prendre la part la plus importante, c'est entre 60 et 70% de ce montant que nous devrons mobiliser. Et le reste, nous répartissons sur nos services de base qui sont disséminés sur le territoire national. Les objectifs assignés à la Direction générale des douanes pour l'année 2015
se chiffre à 1 392,50 milliards. Et cela fait une augmentation de près de 9% par rapport aux objectifs de 2014. Tous les engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre du programme économique du président de la République, le plan national de développement, la lutte contre la pauvreté, les grandes infrastructures, ça veut dire que tous ces projets doivent être réalisés, ce qui nécessite énormément de ressources, et notamment par les ressources intérieures, ce à quoi nous nous attelons. Pour la mobilisation des ressources extérieures, le ministre compte sur les performances réalisées par la Côte d'Ivoire pour séduire les bailleurs de fonds. Tout récemment, la Banque mondiale a publié le Doing Business 2015. Et la Côte d'Ivoire a été classée pour la deuxième fois de suite parmi les pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Deuxième fois de suite. On est le seul pays dans le monde à avoir été classé deux fois de suite parmi les 10 premiers réformateurs au monde. L'élaboration du budget débute par le cadrage macroéconomique et la lettre de cadrage qui fixe le contexte socio-économique et définit les grandes orientations. À partir de la lettre de cadrage, la direction générale du budget et des finances se met en branle pour organiser les conférences budgétaires, allouer les montants aux différents secteurs et préparer le projet de loi des finances à soumettre au gouvernement, avant qu'il n'atterrisse sur la table des députés. Terminons ce journal par la page politique. Afi Nguesson était hier face à la presse. Dans son intervention, le président sortant du Front populaire ivoirien a annoncé qu'il contestait l'authenticité de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du parti. Compte rendu, Mamadou Kouassi. Pascal Afi Nguesson est formel. Le dossier de candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI, Front populaire ivoirien, est faux. Contre les usages établis que le président Gbagbo a toujours respecté, la signature supposée être celle du président Gbagbo est apposée en dessous de son nom. La page de légalisation du document comporte, quant à elle, de nombreuses fautes et incohérences. Par exemple, le notaire, un homme, Robert Burke, écrit « sous-signé au féminin ». La signature relevée sur le document, donc le courrier, est une imitation mal maîtrisée de la signature. Au vu de tous les éléments que je viens d'évoquer, que ce courrier prêté au président Gbagbo est un faux, spécialement fabriqué par un réseau de faussaires. Pour l'actuel président statutaire du FPI, Laurent Gbagbo ne peut faire acte de candidature, car incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas. Le début de son procès est fixé au 7 juillet 2015, soit 8 mois après la tenue du congrès du parti. Il va sans dire que le président Laurent Gbagbo ne peut être physiquement présent au moment de l'élection du président du FPI. Pascal Afi Nguesson maintient donc sa candidature au poste de président du FPI. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a décidé du report du congrès du Front populaire ivoirien initialement prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle au respect de cette décision de justice et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Les contrevenants à cette décision subiront la rigueur de la loi. C'est la fin de ce journal. Bonsoir et merci de votre confiance à notre chaîne.